Qui nous écoute avec beaucoup de plaisir et qui nous envoie souvent des messages. C'est le cas de Grand Capot du côté de l'abbé qui nous suit avec beaucoup de plaisir. Et puis nos amis de la Mangorbe, la chaîne Le Soli, à Kindia, colonel Benbala Traoré, et puis à Dabompa également, l'équipe de la Mangorbe, fidèle au poste. Je n'oublie pas notre frère Famourou Kouyate, guitariste et chef d'orchestre du Somboli Jazz, tout comme Tonton Moïse, Lansana Kondé, fidèle au poste, qui nous suit tous les dimanches, et disons tous les autres musiciens du devoir, très nombreux à l'intérieur du pays. Ne vous en faites pas, nous ferons la ronde de toutes les fédérations des années 60 et 70 pour proposer justement ces belles plages musicales que les musiciens du pouvoir ont dû offrir gracieusement au peuple de Guinée. La musique était d'une limpidité de cristal, comme le dit l'autre. Alors, Ismaël, c'est avec la fameuse chanson Kekura que nous allons nous quitter. Parce qu'il parle de Sataboh Jazz, parle de ce succès Kekura. Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Parlez-nous de l'histoire de cette chanson avant qu'on la propose à nos millions d'auditeurs. Kekura, c'est une composition de l'orchestre Sataboh Jazz de Foucaria.